Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour le tirage du deuxième loto et c'est vrai que je suis vraiment désolée, je vous avais promis un tirage en live et en fait il y a des problèmes de santé chez quelqu'un de ma famille donc je pouvais vraiment pas être disponible ce soir et je suis vraiment vraiment désolée. Je vous promets que j'essaierai de me rattraper en faisant un live bientôt, peut-être avec une distribution, je sais pas exactement, mais c'est vrai que je suis très déçue moi aussi parce que le premier live s'était plutôt bien passé, ça avait été sympa et tout. Mais bon, dans tous les cas, voilà, le tirage aura lieu quand même ce soir, même si c'est pas en direct comme la dernière fois. J'espère qu'il y aura des gagnants et je vous souhaite à tous bonne chance. Je rappelle rapidement le principe du jeu. Pendant toute cette semaine, vous m'avez fait vos propositions de loto parmi les 50 premiers du Pokédex. Et le but, c'est forcément qu'aujourd'hui, je tire ces fameux Pokémon. Pour gagner, il faut en avoir au moins 4 sur les 6 qui sont bons. Et ce, peu importe l'ordre, pour gagner des lots. Maintenant, c'est parti pour le tirage. Je vais utiliser mon super bocal qui contient les 50 Pokémon découpés. Et on commence tout de suite avec le premier. Donc je vous regarde vous pour pas regarder ce qu'il y a dans le bocal et pour pas qu'il y ait de triche. Le premier, c'est Pikachu. Trop bien, il est trop mignon. Je le mets sur le côté et on continue. Le deuxième Pokémon tiré au sort sera donc... Rapace de pique, qui a pris un peu cher. Mais rapace de pique quand même. Ensuite, le troisième. Le troisième, c'est... Nosferatu. Je continue avec le quatrième. Ah, pas de chance. Piaf à bec. Bon, ça c'est pas bon. Encore une fois, il y a eu Piaf à bec et Rapace de pique. Ça m'étonnerait que vous soyez beaucoup à les avoir mis tous les deux. On n'a pas de chance. Le premier loto, c'était pareil. Le deuxième, la même chose. Manque de bol. Enfin, j'espère qu'on aura plus de chance avec le cinquième qui est... Crodoudou. Qu'est-ce qu'il est beau. Et le dernier, le numéro complémentaire de ce tirage, ce sera donc Nidoking. Encore une fois, il était déjà tombé au premier. Il a de la chance. J'espère que j'ai des gagnants. Je suis un peu déçue parce qu'on a encore eu Rapace de pique et Piaf à bec, ça c'est pas très bon. Et bon, on verra s'il y a des gagnants au moins sur les deux premiers lots, ça serait sympa. Et voilà. Je vais vous réexpliquer tout de suite la démarche à suivre si vous avez gagné. J'espère que dans tous les cas, vous avez passé un bon moment même si vous n'avez pas gagné. Si vous avez gagné, il faut m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai mis ici et me préciser le pseudo que vous avez utilisé pour poster votre message. Attention, après je vérifierai que votre message est bien valide et je pourrai vous confirmer ou non votre participation et donc vous demander de choisir un cadeau. Je précise aussi que forcément, pour envoyer le cadeau, j'ai besoin d'avoir votre adresse. Et donc du coup, si vous êtes mineur, que vous avez moins de 18 ans, il est mieux que j'ai l'accord de vos parents, qu'ils voient directement ça avec moi. Et ça me dérange pas du tout d'appeler votre maman s'il faut la mettre au courant de ce qui s'est passé et que vous avez gagné quelque chose. Ça me pose pas du tout de problème, au contraire. Et je préfère plutôt que d'avoir des problèmes parce que, justement, vous n'êtes pas adulte. Voilà, j'espère que j'aurai des gagnants. Comme je vous l'ai dit, je suis pas beaucoup là ce week-end, donc je pense que je pourrai surtout vous répondre à partir de lundi et du début de semaine prochaine. Donc vous énervez pas si vous avez gagné mais que je ne réponds pas ce week-end. Je ferai au plus vite, mais voilà, j'ai d'autres contraintes et je peux pas vraiment faire autrement. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.